délibération porte sur le bureau des projets, sur le fonds de soutien aux initiatives citoyennes. On est dans la proximité, dans les 11 quartiers nantais, des centaines d'habitants sont impliqués comme porteurs de projets ou comme participants collectifs qui participent à l'accueil et au soutien des projets. Donc, sur cette délibération, 4 projets et réalisations sont présentés pour un, enfin, vous sont présentés pour un total de 7 430 € en subvention. Proposé par le bureau des projets de Malakoff-Saint-Donatien, 2 205 € à l'association Idéal pour réaliser une fresque sur les containers de tri, une démarche artistique pour valoriser le tri et la propreté. Proposé par le bureau des projets de Nantes-Sud, 1 500 € pour l'association Amadio pour réaliser des ateliers marionnettes franco-guatémaltèques, rencontres et échanges pendant les vacances pour jeunes et adultes du quartier. Proposé par le bureau des projets du centre-ville, 1 700 € pour l'association des commerçants de la rue Léon Blum, piétonnisation, végétalisation et convivialité dans la rue pendant la période estivale. Proposé par le bureau des projets centre-ville également, 2 025 € pour l'association Passage Sainte-Croix pour réaliser une cabane avec des jeux et livres destinés aux enfants. Et pour le bureau des projets au pavé Saint-Félix, une régularisation sous forme d'avenant de la subvention votée en juin pour le festival participatif Nantes Jazz Action sur les espaces publics du quartier. Et à titre d'information, pour la régie d'avance, 7 projets collectifs ont été financés pour un total de 4 954 €. Alors, par le bureau des projets de Nantes-Nord, 2 projets, une balade rêveuse, des estivales de Québec et Champlain impulsées par les habitants et 3 bailleurs sociaux. Par le bureau des projets du Braille-Barberie, 2 projets, découverte de la photographie et spectacle du théâtre clandestin avec les enfants acteurs. Pour le bureau des projets de Malakoff-Saint-Donatien, animation festive et musicale, place toute Z. Par le bureau des projets du centre-ville, animation autour de Boîte à Dons, place du 6 septembre à la journée du patrimoine. Par le bureau des projets Île de Nantes, animation square de la rue Noué et Bras de Fer avec voyage art et culture, des animations et un repas partagé. Je vous remercie et je vous prie de voter cette subvention.